Les fans de Stray Kids sont inquiets pour leur santé ainsi que pour le surmenage qu'apparemment JYP leur ferait subir. Le 26 et le 27 juillet par exemple, les membres sont allés au Japon pour tenir des concerts, et même avec ça et quasiment sans pause, le groupe va participer aux ISAC qui se tiendront du 30 juillet au 1er août. Il faut savoir déjà que rien que les ISAC, cet événement pose beaucoup de problèmes aux fans qui pensent que c'est une très mauvaise chose pour les groupes parce que les membres sont déjà surbookés et qui peuvent se blesser, avoir encore plus de surmenage et plus de fatigue, surtout que Stray Kids ils vont avoir que 2 jours de pause. En plus de tout ça, juste après les ISAC, Lino animera le Music Core le 8 août, tandis que le reste du groupe a aussi des horaires prévus pour les jours suivants. Mais l'état de santé de plusieurs membres s'avère plutôt préoccupant. Yunjin par exemple souffre d'une blessure à la main. Bang Chan aussi, et Félix lui a des problèmes de dos. En 2019, Seungmin et Lino se sont assoupis d'épuisement pendant justement ces fameux ISAC. C'est pour ça que les fans pensent que c'est une mauvaise idée de laisser Stray Kids participer à cet événement sportif que sont les ISAC, que ça peut être extrêmement risqué par rapport à leur état de santé, d'autant plus qu'ils se reposent apparemment jamais correctement.